Bonjour à tout le monde. So if you have any question. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Maybe. Peut-être. Chapitre 6 de la Bhagavad Gita. Krishna dit, contemple le soi. Vous voyez, Krishna dit, vous devriez méditer sur le soi. L'objet ici, c'est de savoir qui est le soi, vous savez. Donc, le soi, dans la tête des gens, c'est l'idiotie. Et l'ignorance et la personnalité ignorante, ce que les gens savent d'eux-mêmes. Est-ce que c'est ça le soi? Ou est-ce que le soi, c'est quelqu'un qui se situe plus profondément à l'intérieur? Et comment fait-on pour connaître ce soi? C'est facile de dire oui, méditer sur le soi, mais si vous n'avez pas une idée de qui est ce soi, alors vous n'avez pas la moindre idée de qui est ce soi, comment est-ce que vous pouvez méditer dessus? Donc souvent, vous voyez, on entend ça dans le monde, les gens trouvent toujours que, vous savez, je n'ai pas besoin d'un gourou, vous savez. Nous sommes nous-mêmes des gourous, oui ou non? Oui, très souvent, on entend ça, surtout en Occident. Ils vont vous dire, non, vous n'avez pas besoin d'un maître spirituel pour atteindre quelque chose. Pourquoi est-ce que le gourou est important? Gourou, comme je l'ai dit, pendant le pèlerinage, le gourou a déjà atteint cet autre côté. Et le gourou connaît très bien la destination. Bien sûr, si votre gourou n'a pas parvenu jusque-là, s'il est juste parvenu à la réalisation du soi seulement, qu'il n'a pas atteint la réalisation de Dieu, alors il reste coincé là. C'est pour ça que vous entendrez très souvent beaucoup de gourous seulement parler de, vous savez, oh, vous n'avez pas besoin de rien faire, tout est ici, vous savez. Souvent on entend ça, hein. Surtout dans la philosophie advaitique, vous allez entendre ça. Mais si tout est ici, alors pourquoi est-ce que si peu de gens y arrivent? Parce que c'est très important d'aller découvrir ce qui se passe au-delà du soi aussi, parce que connaître le soi simplement dans le mental de l'être humain qui est fini, on se focalise seulement sur les choses finies. Vous allez seulement vous concentrer sur les choses que vous croyez être bonnes, non? Vous pensez que c'est ça qui est bien? Qu'est-ce qui fait la plénitude de qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous fait entier? D'abord, comme l'a dit Krishna, méditez sur le soi. Il a dit d'abord, l'esprit humain doit en arriver au point de s'accepter entièrement. Tout d'abord, qu'est-ce que vous connaissez de vous-même? C'est votre physique, non? Que très souvent, les gens ne savent pas apprécier ce cadeau que Dieu leur a donné. Ils veulent juste apprécier quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent apprécier l'atma. Et pourtant, néanmoins, Dieu vous a donné cette forme humaine. Il vous a donné ce temple béni pour le réaliser, pour l'atteindre. La première marche de la réalisation, cette première étape de la méditation, c'est de savoir que ce corps lui-même, c'est un temple pour Dieu. Et avoir cette compréhension entière en acceptant la manière dont vous êtes. Parce que, comme je l'ai dit tellement de fois, Dieu ne fait aucune erreur dans sa création. De la plus grande chose jusqu'au brin d'herbe, il n'y a aucune erreur. Il n'y a pas une seule chose
qui n'est pas son propre dharma. Donc, chaque chose est pleinement placée pour faire son dharma. Chapitre 18, verset 47, que dit Krishna? Il dit, bénis soient ceux qui font leur dharma, même si leur dharma est tout petit. Plutôt que de faire un dharma, vous savez, que vous faites de façon parfaite, mais ceux qui font leur propre dharma, en assumant leur propre nature, en suivant leur propre nature, ce qui veut dire cette acceptation entière de qui vous êtes en tout premier lieu, en faisant votre dharma, vous ne produisez aucun péché. Donc, quand on voit ça, on voit que chaque être humain, chaque chose de cette création est parfaite en soi. Mais comment apprécier cette perfection quand vous êtes seulement focalisé sur... Vous voyez, quand quelqu'un est complètement focalisé sur sa propre imperfection, à penser que « Ah, si j'avais ça, je serais heureux. » « Oh, si je portais cela, je serais plus beau. » Vous voyez, très souvent, on voit cette dégradation de la manière de réfléchir dans la société parce que tout le monde a besoin d'apparaître selon un certain éclairage, de la manière dont la société les a créés, mais pas de la manière dont ils vont avec leur propre sentiment intérieur et avec leur propre soi. C'est ce que dit Krishna, il vaut mieux faire quelque chose de mineur qui va bien avec votre propre dharma, que de faire quelque chose que vous faites de façon parfaite, mais qui ne vous mène nulle part. C'est pour ça que, vous voyez, maintenant, dans le monde, tout le monde essaye de tout faire. Les gens courent après ces masses de folie commerciale à l'extérieur pour exaucer cette folie commerciale. Tout le monde doit devenir ingénieur, manager. Les mêmes choses pour tout le monde. Mais ce n'est pas ça le vrai dharma. Ils deviennent parfaits pour la réalité extérieure, mais pas pour la réalité intérieure. Ils ne font pas leur véritable dharma, la raison pour laquelle ils sont venus ici. Quand Bhagavan dit de méditer sur le soi, le premier dharma, c'est d'apprendre à connaître le soi. C'est ça le dharma dont on parle. On ne parle pas d'un autre dharma, mais la manière dont vous parvenez à ce dharma de vous connaître, c'est tout d'abord en commençant par accepter ce que Dieu vous a donné dans cette vie elle-même. Et ça, c'est complètement parfait. Votre vie, elle est parfaite. La manière dont il vous a créé, c'est parfait. Mais vous devez le voir, cette grâce que Shrimad Narayana vous a donnée. C'est comme, par exemple, un moustique porte la malaria. Et le moustique porte la malaria, mais est-ce qu'il est infecté par cette malaria? Non, il ne l'est pas. Vous prenez un serpent. Un serpent a du poison dans la langue. Mais est-ce que le serpent meurt du poison de sa propre langue? Non. Et c'est pareil, quand vous prenez, par exemple, du vin, il rend tout le monde ivre. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup de bactéries, de germes. Est-ce qu'ils deviennent saouls en nageant dedans continuellement? Non. Parce que chacun fait son propre dharma. Il n'y a que les humains qui essayent de faire le dharma des autres. Et c'est là où le garba se produit. C'est là où les problèmes commencent. Donc, vous devez commencer à vous regarder vous-même et apprendre à vous connaître. Bhagavan dit oui, de méditer sur le soi, mais d'abord apprenez à accepter la manière dont il vous a créé à l'extérieur. Cette perfection extérieure qu'il vous a donnée. Et d'en arriver à cette acceptation complète de la manière dont il vous a créé. La manière dont il vous a créé, vous êtes parfait. Et la manière dont il vous a créé comme ça pour que vous puissiez l'atteindre, créer une relation avec lui. Et comment vous pouvez créer cette relation avec lui? C'est en vous connaissant. Si vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous voudriez construire une relation avec lui? C'est impossible.
C'est ce qu'il a dit. D'abord, méditer sur le soi. Arriver à ce point d'accepter soi-même et faites votre dharma. Et éveillez-vous à partir de là, quand vous vous éveillez du fait de faire votre dharma. Alors, cette étincelle de divinité qui est à l'intérieur de vous va se révéler. Ce n'est pas seulement vous asseyant là, ok, je ferme les yeux, je médite sur le soi. Où est-ce que vous méditez sur le soi? Certains méditent sur le troisième œil ici, sur le soi, d'autres méditent sur le cœur. Vous savez, d'autres méditent dans leur cœur, sur le soi, mais néanmoins, personne n'a aucune idée de ce qu'est le soi. Si je vous dis que le soi habite dans le corps entier est en vie, non? Alors, où est le soi? Où est-ce qu'il s'assoit? Alors, les rishis, les sages ont dit que le soi est assis dans le cœur. Mais le soi du soi, c'est le Seigneur suprême. Lui aussi, il siège dans le cœur. Alors, en plongeant à l'intérieur, d'abord, comme je l'ai dit, cette acceptation complète du soi, quand vous en arrivez à... Pardon, quand vous en arrivez à cette acceptation complète d'abord du soi extérieur, vous savez, vous allez être capable de vous asseoir en profonde méditation, absorbé dans le calme. Vous allez être absorbé dans cette joie à l'intérieur de vous. À partir de là, le soi se révèle lui-même. Même si votre mental ne le connaît pas, il donne au mental cette étincelle de divinité. Lorsque le soi se révèle, alors vous commencez à ressentir cette béatitude elle-même. Ça devient ananda. Mais cette ananda ne suffit pas. Vous voulez atteindre satchita ananda, non? Le soi, beaucoup y sont arrivés. Beaucoup arrivent à ce point de réalisation du soi. Mais cette réalisation de soi, elle varie. Elle peut monter et redescendre aussi. Ne croyez pas que tous ceux qui ont eu le darshan du soi sont libérés. Non. Certains, oui, deviennent jiva muktas. Mais et d'autres sont libérés. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas la fin. Le but, c'est d'atteindre les pieds de lotus de Bhagavan. Et comment les atteindre? C'est seulement en essayant d'atteindre sa grâce, Kripa. Et lorsque Kripa comme, c'est seulement quand vous avez la grâce du Guru. Personne d'autre ne peut vous le donner. Il y a une très belle histoire d'un dévot de Tukaram. Quand on était là-bas, à Dehu, ils nous ont raconté cette histoire de Niloba. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient à Dehu l'année dernière quand on a visité l'endroit de Tukaram. Son petit-petit-petit-petit-fils nous a raconté cette histoire. Comme c'est important. Et cette histoire, je l'ai trouvée très belle, si j'arrive à me la rappeler. Donc, Niloba voulait tellement... Il avait lu tous les abhangs de Tukaram. Et il était tellement... Il avait un seul but, c'est d'avoir Tukaram pour guru. Il savait que Tukaram était son Sadguru et il ne voulait rien d'autre. Mais il y avait un problème. Tukaram était déjà parti à Vaikuntha. Alors, comment faire? Donc un jour, il alla visiter Dehu et il a rencontré Narayan Bora, le fils de Tukaram. Et il lui a dit, je n'ai qu'un seul vœu, c'est que j'aurais voulu rencontrer ton père avant pour qu'il puisse m'initier, pour qu'il puisse me donner cette grâce. Et
le fils de Tukaram Narayan Bora lui a dit: Non, mais ce n'est pas possible. Et il a dit: Comment ça, ce n'est pas possible? Vous vous souvenez que quand votre sœur a voulu être mariée, bien qu'il ait été avec Unta, mais néanmoins votre sœur ne voulait pas être mariée, sauf si Tukaram venait. Et il est venu le jour du mariage pour bénir sa fille. Alors pourquoi est-ce qu'il viendrait venir bénir sa fille et pas moi? Je le veux, seulement lui. Et je sais que s'il me bénit, j'aurai tout. Alors, cette nuit-là, ce jour-là, c'était pendant la journée, il a répété, il est là dans l'endroit de Puja où Tukaram restait, il y avait là Pandalinga et Rukmini, et il a chanté Ram Krishna Hari toute la journée, sans manger, sans boire, juste à réciter Ram Krishna Hari, Ram Krishna Hari. Donc, une journée a passé, deuxième journée a passé, et le deuxième jour, le fils de Tukaram est venu lui dire: Tu sais, si tu continues comme ça, tu vas te sentir faible, tu ne peux pas continuer comme ça. Il a dit: Non, je suis déterminé d'avoir Tukaram pour Guru, je ne veux rien d'autre. Donc, il a récité, et toutes les nuits, le fils de Tukaram venait à ses pieds, en fait, même, et il récitait Niloba. Pendant 13 jours, c'est arrivé. Le 13e jour, comme il était complètement faible et il ne pouvait même pas faire un pas, Narayan Bora lui a dit: Arrête, il faut que tu arrêtes maintenant. Il a dit non. À ce moment-là, cette nuit-là, Vital est apparu. Et quand il a vu Vital, il était tellement content. Il pouvait sentir la fragrance de tulsi et de bouquet de charbon noir, vous savez. Il pouvait sentir tout ça. Et il est tombé au pied de Vital et il lui a dit: Mais pourquoi est-ce que tu es venu? Je t'ai pas appelé toi. Vital a dit: Je suis très satisfait de ta dévotion, c'est pour ça que je suis venu, tu sais, pour te donner le darshan. Il a dit: Oui, mais moi je veux rien de toi, tu peux partir. Vital et Rukmini étaient là, et bien sûr, ils ont commencé à discuter, et bien sûr, Vital voulait le tester pour voir à quel point sa foi était forte, à quel point il voulait que Tukaram soit son sadguru. Alors, il lui a demandé: S'il te plaît, je veux seulement une chose, je veux Tukaram comme mon sadguru. Et il lui a dit: Écoute, je suis là, je suis très content de ta dévotion. Et sache une chose, il n'y a pas de différence entre moi et Tukaram. Donc, tu peux prendre l'initiation de moi. Et il a dit: Bhagavan, tu sais très bien que ça n'est pas possible. Tu sais très bien que ce n'est pas possible que toi, comme Paramatma, tu ne peux pas être le Sadguru. Et tu sais très bien que seulement le Sadguru peut donner le nom divin. Et je suis impatient de recevoir la bénédiction et le nom divin de Tukaram, tu sais. Et je sais très bien que comment que croyez-vous que j'ai le darshan, mais mon mental est toujours en train de batailler. Je te vois, mais mon aspiration à voir mon Sadhguru est toujours là, très forte. Tu ne m'as pas encore exaucé mon vœu. Donc, voyant cette dévotion et sachant à l'intérieur qu'il était testé par Vital, Rukmini a dit à Vitala: Tu sais très bien qu'il ne va pas changer d'avis. Et il sait très bien que tu es en train de le tester, tu sais.
Alors, n'essaye pas. Peut-être que tu devrais vraiment lui envoyer Tokoba. Donc, il était très content de sa dévotion et la Vitala et Rukmini l'ont béni et ils ont disparu. Et bien sûr, ce désir pour son Guru Maharaj, ce désir pour Tokoba, Tukaram, lui brûlait le cœur. Et après quelque temps, il y a eu comme une fumée et il y a eu un parfum de habir et de boga et de santal, un parfum de bois de santal dans l'air. Et quand il a levé la tête, devant lui était Tukaram, debout. Et quand Tukaram l'a vu, et qu'il a vu Tukaram, il y a eu juste un fleuve de pleurs dans les yeux de chacun. Chacun pleurait, même Tukaram qui avait quitté Vaikuntha pour venir ici. Et il ne faisait que pleurer. Ses yeux étaient remplis de larmes. Alors Tukaram a dit, je suis venu sous les ordres de Vital. Il m'a envoyé jusqu'à toi. Et il était très content de ta dévotion. Et en plus de lui, moi aussi, je suis encore plus content de ta dévotion. Et je vais t'initier. Il a mis sa main sur lui et il a récité le Mula Mantra pour lui. Et quand il lui a récité le Mula Mantra, il était en pleine béatitude. Il était en pleine extase. Donc, vous voyez ce que Bhagavan lui-même est venu. Il y avait besoin de la grâce du Sadguru. Donc, vous voyez, comme Bhagavan vous dit de méditer sur le soi, il vous dit d'abord, apprenez à accepter ce que je vous ai donné dans la vie, cette perfection de qui vous êtes. S'il vous plaît, apprenez à l'accepter. Quand vous apprenez à l'accepter, alors prenez refuge au pied du Guru. Et par la grâce du Guru, vous serez libre. Pas seulement la réalisation de soi, mais encore plus haut que la réalisation de soi, à atteindre au Dieu suprême. Mais tout d'abord, tout commence avec cette complète acceptation de votre dharma ici. Parce que tout le monde veut faire le dharma de quelqu'un d'autre, non? En pensant que l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté que ce que Dieu m'a donné. Donc, quand vous apprenez à accepter ça et méditer sur le Seigneur ici, maintenant, pas plus tard, alors le soi va se révéler. Question? Mataji? Oui. Jagrudev. Guruji, je voudrais demander, quand on te voit, quand on est avec toi, on est tellement content, on est tellement enthousiaste, mais quand on te quitte et qu'on ne peut plus te voir, on est en pleine dépression, on est désespéré. Alors, je voudrais savoir, ces montées et descentes émotionnelles, est-ce qu'on doit essayer de les surmonter ou... Écoute, le désir, si vous désirez le monde matériel, alors ça ne va pas. Mais désirer, quand vous êtes dans la compagnie du gourou et que vous partez, c'est quelque chose de naturel, de normal, que vous ayez cette tristesse à l'intérieur. Qui n'aime pas être au pied du Sadguru?
Le but du dévot, c'est seulement d'être au pied du Sadhguru. Mais une chose très importante, c'est, alors je parlais juste à l'instant du dharma, le dévot a aussi un dharma qui vient du gourou, ce qui veut dire d'apporter les enseignements du gourou au monde, non? La tristesse, elle sera juste là pour quelque temps. Après quelque temps, vous allez repartir vers votre routine quotidienne. Mais de temps en temps, quand vous reviendrez, ce dont vous avez été complètement imbibé, alors ça va refaire surface. C'est un sentiment intérieur, un profond désir. Donc c'est bien d'avoir ça, en fait, de l'avoir ce désir. Et c'est comme ça que ça vous rapproche du Sadhguru. Donc, vous avez reçu quelque chose, vous devez aussi apprendre à le distribuer aux autres. Quand vous avez mangé quelque chose de très bon, vous aimez le partager avec les autres, non? Bon, je ne sais pas, sauf si vous êtes une personne égoïste, alors vous n'aimez pas à partager, vous le gardez pour vous. Mais la majorité des dévots ont appris à donner le Mahaprasad à tout le monde. Donc, c'est ce prasad que vous avez reçu. Et quand vous rentrez, le gourou n'est jamais très loin, il est toujours avec vous. Vous savez. Et c'est là où vous devez le trouver, comprendre que vous n'êtes pas seul. Le gourou est toujours avec vous, où que vous soyez. Ce n'est pas cette forme physique. Cette forme physique, elle ne restera pas longtemps. Et il arrivera un moment où cette forme physique repartira de là d'où elle vient. Donc, alors quoi? Vous allez arrêter vos activités? Vous allez arrêter votre seva? Non. Alors, ne soyez pas triste, sachant que le gourou est toujours avec vous. Réjouissez-vous de ça, ok? Jai Gurudev.